Coucou les amis, c'est Crime. On se retrouve pour une toute nouvelle série. Donc vous l'avez vu dans la petite cinématique juste avant cette vidéo, et puis je l'avais annoncé sur un peu les réseaux. Je me lance dans un apocalypse challenge. Tout ça, c'est la faute à Missing, hein, clairement. C'est en rattrapant mon retard sur son propre apocalypse que du coup, ça m'a trop donné envie de le faire. Voilà, ça c'est mon petit côté maso qui a envie de galérer grave. Donc du coup, comment ça va se présenter? Eh ben, écoutez, ça va être des petits épisodes. Alors je vais essayer de les condenser, de faire des montages pour que les épisodes ne durent pas plus de 20 minutes, parce que sinon je trouve que quand c'est trop long, c'est indigeste. Donc je vais essayer de faire des petits épisodes de 20 minutes en coupant, montant, pour que ça reste un peu dynamique et intéressant pour vous. J'ai pas prévu de rythme de sortie pour l'instant parce que je suis toujours un peu en stand-by au niveau de ma vie privée. Du coup, c'est un peu compliqué pour moi de me projeter sur du long terme. Quoi vous dire? Donc l'apocalypse, c'est quoi? C'est la merde. Hein, pardon, excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais c'est la mouise totale. Grosso modo, on a le droit d'absolument de ne rien faire. On a le droit à rien, et la seule manière de débloquer toutes ces restrictions, c'est d'atteindre le niveau 10 d'une carrière, en fait. Et en sachant qu'on ne peut débloquer qu'une seule carrière par Sims, qu'on commence donc avec un jeune adulte que vous avez vu dans la petite cinématique. Donc pour placer un peu l'histoire, vous l'avez compris, il vivait tranquillement avec ses parents, son chien. Il y a eu un espèce de gros tremblement de terre. Toute sa famille est morte, comme la moitié de la population mondiale d'ailleurs. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'électricité. On ne peut plus rien faire. Les sanitaires, c'est compliqué. Du coup, voilà, il se retrouve un petit peu seul dans son petit bunker en 8x8. Donc voilà, il va falloir qu'il débloque un petit peu toutes les restrictions. Donc lui, pour en débloquer qu'une, il va falloir que je trouve une femme. Alors j'ai déjà une idée du PNJ que je vais choisir comme cofondatrice. Maintenant, il faut aussi que j'ai la chance qu'elle passe devant la maison, parce que j'ai pas le droit de me déplacer. Donc voilà, toutes ces restrictions font que c'est un petit peu galère au début. Et puis voilà, si on loupe le travail, on est obligé de recommencer la carrière. Donc voilà, c'est un tout petit peu compliqué, mais bon, c'est ça qui est bien. En plus, je sais que vous adorez quand je galère, donc c'est cadeau pour vous. Voilà, donc du coup, je vous présente. Ceux qui sont fidèles à ma chaîne ça va leur rappeler des choses. Je vous présente ce jeune homme. Alors, en vrai, il s'appelle... Dans mon apocalypse, il s'appelle Angelo, mais vous le connaissez déjà, puisqu'il a déjà... Je m'en suis déjà servi pour d'autres séries. Donc voilà, si vous êtes une habituée, vous l'avez peut-être reconnu, et sinon, je vous invite à chercher. Il s'appelait pas Angelo ailleurs, mais là, il s'appelle Angelo, donc du coup, il a perdu ses parents, son chien. Il lui reste que ce petit bunker, donc alors, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, vous avez remarqué, c'est assez joli, donc c'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai fait, je vous mettrai le lien en dessous pour le télécharger sur la galerie. C'est meublé, ma foi, bien sommairement, parce que de toutes les façons, j'ai droit que à ce qui est de moins cher. Voilà, j'ai droit au moins cher du moins cher du moins efficace. Donc j'ai juste mis voilà un échiquier, un barbecue, tout ce qui est frigo, tout ça, ça sert à rien parce que de toutes les façons, je n'ai pas le droit de m'en servir. Une petite table pour manger, pareil, j'ai pas le droit de prendre de douche, donc on va se laver en se lavant les mains. Des toilettes, une petite pièce qui plus tard servira sûrement de salle de bain. Au premier étage, nous avons donc la chambre, la première. Et ici, ce sera une deuxième chambre. Alors, par rapport au bunker que j'ai téléchargé, j'ai dû supprimer des choses parce que je voulais absolument me retrouver à Strangerville et je voulais absolument me retrouver sur ce terrain-là. Donc, comme le terrain est très très grand, et ben du coup, il me restait plus beaucoup de sous pour la maison, donc j'ai dû supprimer des choses pour que... Vous voyez, il lui reste 0 Simplus, je suis tout pile. J'ai supprimé de la tapisserie en haut, vous allez voir. Et donc du coup, là, il y avait un lit, je l'ai supprimé. J'ai changé les ampoules aussi parce que
J'adore ces ampoules-là, je trouve qu'elles font vraiment bien apocalyptique. Donc voilà, j'ai fait 2-3 modifications quand même pour que là, du coup, il y avait une porte et un lit, mais je l'ai supprimé, on verra plus tard. Et au dernier étage, on a une salle qui servira un peu de salle fourre-tout très certainement. En sachant que quand je place quelque chose qui fait plus d'un carré, je peux pas le déplacer. Ça fait partie des restrictions. Donc il faut faire très très attention à l'endroit où on place ses meubles. Voilà, bah écoutez, je pense que... Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire pour vous présenter ce challenge? Donc voilà, il s'appelle Angelo. Vous découvrirez un peu plus tard quel PNJ j'ai choisi pour lui. J'espère juste qu'elle aura la bonne idée de passer devant la maison. Cette boulette là. C'est pas sûr, hein. Mais écoutez, si elle passe pas, on s'en trouvera une autre. Hein. En sachant que je ne peux pas appeler les PNJ, je ne peux pas me déplacer. Donc il faut qu'elle passe et qu'au moment où elle passe, grosso modo, je la chope et elle part plus jamais. Tu vois, vous voyez, c'est... Oui, je vais me remettre à séquestrer des Sims. C'est... Vous avez tout compris. Voilà, bah écoutez, donc... Je verrai après que je vous parlerai peut-être dans l'épisode prochain de ce que je vais choisir comme métier, donc comme restriction à lever en premier. Je me suis fait un petit ordre de priorité. Et puis j'ai, comme vous pouvez le voir, le ciel est dégueulasse à Strangerville parce que il n'y a rien qui pousse à Strangerville à part la plante chelou. Et du coup j'ai dû prendre une autre famille pour avancer l'histoire de la plante chelou. Pour avoir des choses à récolter, parce que pour pouvoir cuisiner, il me faut un fruit à chaque fois. Donc un fruit dans un endroit où il n'y a rien qui pousse, c'est quand même compliqué. Donc là, du coup, j'ai avancé un peu l'histoire avec une autre famille. Et merci à Missing pour l'astuce, d'ailleurs. Et du coup, j'ai plein de plantes bizarres que je vais pouvoir aller récolter. Et c'est ça qui va me servir... Alors, je vais pas manger la plante, hein, soyons pas... Mais c'est grâce à la plante que je vais pouvoir... manger. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour de bon ce coup-ci. J'espère que cette série va vous plaire, j'espère que vous allez la suivre avec moi, que vous allez vous plaire à me voir galérer comme une malade et stressée parce que je pense que je vais avoir peur de pas débloquer les carrières avant la fin de la vie de mon Sims. Donc j'ai mon chat qui n'est pas d'accord, mais bon, c'est pas grave, c'est pas lui qui joue. Écoutez, voilà, c'est tout pour cette première vidéo de présentation. Et on se retrouve très très vite pour l'épisode numéro 1. Le vrai, pas l'intro, quoi. Allez, bisous les amis.